Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinématique, dans laquelle je vais présenter le mouvement rectiligne. Un mouvement rectiligne est défini donc comme étant un mouvement dont la trajectoire est une droite. On aura donc l'équation du type y égale ax plus b. Et donc ce mouvement rectiligne peut avoir donc plusieurs particularités. Soit il est accéléré, ce qui signifiera donc que le vecteur accélération sera différent du vecteur nul et qu'il sera orienté dans le sens du mouvement. Soit que le vecteur accélère, soit il sera uniforme, dans ce cas-là, le vecteur accélération sera le vecteur nul. Soit qu'il est décéléré, donc que le vecteur accélération sera différent du vecteur nul et qui sera dans le sens opposé au mouvement. Donc deux choses. Mouvement rectiligne, donc trajectoire est une droite. Et ensuite, pour savoir donc comment évolue la vitesse, à l'aide donc de l'accélération. Et donc vecteur nul, donc uniforme, vecteur non nul, accélère ou décélérer suivant le sens donc de l'accélération. Donc voyons sur un exemple avec donc les coordonnées donc d'un point M, donc du vecteur position, x égale 1 sur k fois ln de 1 plus v0 fois k fois t. Donc j'ai uniquement une coordonnée sur x, y vaut 0. Donc si c'est uniquement sur x, j'ai un mouvement qui est bien rectiligne, étant donné que tout va se faire donc sur un seul axe. À partir donc de la coordonnée de x, je vais pouvoir déterminer donc les coordonnées du vecteur vitesse. Il n'y aura pas de coordonnées sur y, il y aura donc juste une coordonnée sur x, donc vx. Il faut donc que je dérive x par rapport au temps. J'ai le logarithme ici qui contient une fonction du temps. Donc ln de u, j'ai ln de u. Donc la dérivée de ln de u est u' sur u. Donc je vais dériver 1 plus v0 fois k fois t par rapport au temps. 1 est une constante. V0 et k sont des constantes. J'aurai donc v0 fois k. Ce qui va donc me donner ici v0 sur 1 plus v0 fois k fois t. Qui est ici donc l'expression donc de la coordonnée x du vecteur vitesse, la coordonnée sur y étant nulle. À partir de ça, donc je vais maintenant déterminer la coordonnée du vecteur accélération. Là encore, si VY est nul, AY sera nul. Donc j'ai juste AX. AX sera dV de X sur dt. Je vais donc dériver ici. J'ai 1 sur U. Donc la dérivée de 1 sur U sera U' sur U carré. Ce qui va donc me donner ici. Moins U' sur U carré, pardon. Ce qui va donc me donner moins KV0 carré sur 1 plus V0 KT, le tout au carré. Et donc, je reconnais ici V0 sur 1 plus V0 fois KT. Donc en fait, AX est égal à moins K fois VX au carré dans ce mouvement particulier. À partir de ça, donc AX est égal à moins K VX au carré. J'ai une accélération qui est donc différente du vecteur nul. La composante sur X est non nulle. A est opposé donc au mouvement, étant donné que A est dans le sens contraire donc de mon vecteur vitesse. On a donc ici un mouvement qui est rectiligne ralenti. Ce qu'on peut montrer sur Python en traçant donc les différentes positions et ensuite les vecteurs vitesse et vecteurs accélération. Donc j'ai mon script ici. Donc j'importe toujours mes deux bibliothèques classiques, NumPy et matplotlib.pyplot. Je crée mon tableau de temps. Je rentre une valeur pour V0 et K. L'expression de X est ici. Y étant toujours nul, je crée un tableau donc ici avec uniquement des zéros et qui aura la même taille que le temps pour ne pas avoir de problème de dimension. Je rentre l'expression de Vx. Vy, là encore, est nul, donc je prends la même expression que pour y. Je rentre l'expression de Ax en utilisant donc directement celle de Vx, comme je l'ai vu tout à l'heure. A y, c'est pareil, c'est un tableau de 0. Et maintenant, donc, je vais représenter mes différents graphiques, tous sur la même fenêtre. C'est pour ça que j'ai mis ce plot. Ce plot va me permettre d'avoir mes trois graphiques en même temps. Je vais donc créer trois lignes et une colonne. Le premier graphique sera sur la position 1, donc tout en haut. Lui sur la position 2 au milieu. Et lui sur la position 3, donc en bas. Premier graphique, il y a uniquement donc les positions de mon objet. Deuxième graphique, position et vecteur vitesse. Troisième graphique, position et vecteur accélération.
Donc rouge pour vecteur vitesse, vert pour vecteur accélération, et j'ai donc choisi des échelles permettant d'avoir des vecteurs qui soient donc facilement interprétables. Donc je lance l'exécution. J'obtiens donc mes différentes positions. On voit bien qu'on a un mouvement avec des écarts qui sont de plus en plus petits. On a donc bien un mouvement rectiligne car il est sur une droite avec des positions qui se rapprochent, donc le mouvement est décéléré ou ralenti. Si je regarde le vecteur vitesse, j'ai bien un vecteur vitesse qui a une direction qui est constante avec une norme qui est de plus en plus petite. Et si je regarde maintenant donc mon vecteur accélération, j'ai bien un vecteur accélération opposé au mouvement avec une norme là encore qui est de plus en plus petite, ce qui veut dire que mon accélération diminue jusqu'à ce que mon objet s'arrête.